Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour votre message du lundi 3. Alors, je touille pour bien mélanger tout ce qu'il y a dans le fond, qu'on va ramener devant. Hop là, et je touille, et je touille, et je touille, et hop là. Oh, il y a un lien là. Oh là 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 là. Ok, bon, et ça, s'il n'y a pas. Bon, j'ai toujours le O qui revient ici et j'ai un K. Ah, oh, regarde, tout ce qui brille. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tiens, c'est bizarre parce que là, j'ai le L et ailleurs, j'ai le T. Étrange. Bon, L ici relié à un lien. Et ici, j'ai le Z qui est tout seul. Face à des accusations, il y a du changement. Ici, j'ai le lotus. J'ai un lotus. Donc, il y a du changement, c'est clair. J'ai la lettre K. Bon, c'est quoi ça? C'est un chat? Non, un lapin. Donc, aux environs de Pâques. Qu'est-ce que nous avons? Réciproque. Et là, on a les têtes couronnées. En tout cas, quelqu'un qui a de la notoriété. Ici, on nous parle de chance par rapport à un lien. Apothéose. Enfance et souvenirs d'enfance. Bon, le Z, là, il est plutôt au niveau des accusations. Qu'est-ce que j'ai ici? Prémonition, sabotage. Et là, j'ai quoi? Est-ce qu'il y a un nœud dans la chaîne? Non, il n'y a pas de nœud, mais bon, tout est lié ici, hein. Souvenir d'enfance, l'apothéose, on nous parle de prémonition, de sabotage. Il y a quelqu'un qui essaye quand même de vous faire du mal. Ça concerne une personne dont la lettre, le prénom commence par L, mais il y a quand même une période de chance pour cette personne et cette autre personne dont le prénom commence par O. Olivier. Alors ici j'ai une perle. Tout ce qui brille peut-être n'est pas or, hein. Tout ce qui brille n'est pas diamant non plus. Ici, il y a une histoire de réciprocité au niveau des têtes couronnées et ça m'annonce le Pâques, hein? Donc, on y est, on est déjà au mois d'avril là. On verra bien. C'est quand les fêtes de Pâques? Ici, comme je vous ai dit, il y a des accusations qui vont apporter un changement. Et la fleur de lotus, vous savez que la fleur de lotus grandit dans les eaux qui sont pas très très propres, hein. Ça reste là à stagner et puis ça vous fait une magnifique fleur. Donc il y a de quelque chose de mauvais peut en ressortir quelque chose de beau, hein. Allez, on y va. Et puis la fleur de lotus, c'est aussi la renaissance, hein. Elle naît et elle fait directement sa graine. Hein. Alors, voyons voir les énergies principales pour ce lundi 3. Voyons voir lundi 3, que je pâche-t-il donc? Oh, hop, ça ne voulait pas se mélanger là. Tiens, la perle. Témoigne de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Témoignez. Donc, soyez heureux de ce que vous avez déjà. Vous avez peut-être une perle dans les mains et vous ne le savez pas. Et regardez ce qu'on a là. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je vais le mettre là. La perle et le joyau. Allez, voyons voir ici. Par rapport au tarot, quel est le message? Message du tarot pour le lundi 3. Bon, il y a des gens qui attendent de l'argent là, hein?
De l'argent, on attend de récolter l'argent pour le travail effectué ou pour, c'est peut-être une reconnaissance hein, maintenant. Il y a quand même une rencontre là. C'est peut-être au niveau professionnel qui vous amène une belle victoire pour ce lundi. Bon, pour ceux qui sont dans l'attente, il va falloir peut-être se déplacer et rencontrer une personne. On est dans l'attente de récolter ce qu'on a semé, hein, aussi. Non, si vous avez semé de l'argent, enfin, si vous avez semé des bonnes actions, on peut le mettre un peu à toutes les sauces, hein. Ici, on nous parle d'argent puisque j'ai le denier, mais ça peut être un petit peu de tout, hein. Le diable représente la manipulation, le mensonge, l'ego, l'argent, la possession, la passion, le sport en chambre, les addictions. Il est tout proportionné, enfin, surdimensionné et tout exagéré. Alors, voyons voir quel est le défi à relever pour ce lundi 3 avril. Des projets qui sont en route. De mettre les projets en route. Vous en avez beaucoup. Alors ici, vous devez mettre des projets dans la matière. Et il va falloir choisir parmi ceux que vous voulez mettre dans la matière. Vous ne savez pas tous les mettre. Mais il y a possibilité d'en mettre quelques-uns, hein, puisque ici vous avez le 3 de bâton. Donc vous êtes en train de lancer des projets. Ce n'est plus au niveau mental. Là, vous avez les possibilités, les outils de les réaliser. Voyons voir le conseil. Mais vous en avez beaucoup, hein, mais il va falloir choisir là, hein. Soyez pas dans l'indécision. Faites-vous une liste de priorités. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Et j'ai l'as d'épée. L'as d'épée qui lui vient nous parler d'accomplissement. Et accomplissement sur le plan matériel, mais c'est aussi la décision qui a prise, le niveau de la nouvelle opportunité, justement, de le mettre dans le plan matériel. Et on a ici la décision peut-être de tourner le dos à une situation ou d'aller au-devant d'une autre. Hein. Parce que moi ici, il vient le bateau. Hein. Il vient, il quitte et il arrive sur la nouvelle rive. Donc c'est une décision que vous allez devoir prendre. Bon, ici le conseil, c'est de prendre cette décision ou de mettre vos plans à exécution au niveau matériel, hein. Vous avez cette opportunité, elle est quand même là. C'est votre défi. Il est là. Et là, vous avez l'occasion qui va se présenter. Donc, vous allez démarrer et aller le faire. Qu'est-ce que j'ai en dos? Eh bien, on a l'as de bâton qui nous parle d'opportunités professionnelles. On a ce jeune homme qui, c'est peut-être un de vos enfants là, qui a enfin la possibilité d'avoir une place de travail et de signer un contrat ou un partenariat grâce à un ami. Ah, il y a une possibilité d'avoir son indépendance pour cette jeune personne de trouver son premier emploi. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, hein. Je vais retirer ça et on va prendre autre chose pour le sentimental. Lundi 3, il fait froid chez moi. Chez vous, il fait quoi? C'est le 1er avril. J'en ai marre de la pluie. J'en ai vraiment marre du froid et de la pluie. Lundi 3, flamme jumelle. L'être aimé est ta flamme jumelle. Votre amour est éternel. Waouh, on peut faire une chanson là. C'est une relation karmique.
Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Bon, vous savez que pour les relations karmiques, c'est que vous devez ou donner une leçon ou la recevoir, hein. On vous fait vivre là une situation qui va vous permettre justement de vous élever un peu plus ou de grandir. Le karma, c'est aussi le retour de manivelle, hein. Qu'est-ce que j'ai là? Admiration et la grâce. Ok. On va laisser ça là et on va prendre pour les célibataires. L'être aimé est ta flamme jumelle. Et c'est un amour éternel, donc, qui se poursuit de vie en vie. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour les célibataires? Sagesse, enseignement, réfléchir et être enfin, réfléchir de façon calme et posée. Donc, c'est la sagesse, quoi. Qu'est-ce qu'on a là pour les célibataires encore? La chance, heureux présage pour toi. Une nouvelle présence arrive dans ta vie. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, mes loulous. Au niveau sentimental, il y a peut-être une rencontre dans l'air pour les célibataires. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas grand-chose à dire pour les célibataires, lundi 3. Ah, quand même, toi t'étais venu avant. Ah, solution, ouverture, dénouement et déblocage d'une situation peut-être karmique. Alors, on a ici une personne authentique et vraie et qui est déterminée peut-être à vous rencontrer. Hop là! Qu'est-ce qu'on a là? Vous serez guidé, hein? Ok, vous allez être guidé, amis célibataires, vous serez guidé vers la personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, ils sont en train de la pousser vers vous. Que ce soit un homme ou une femme. Regardez. C'est l'amour. Union, complicité, authenticité, et c'est l'amour. Cette personne est guidée vers vous, donc soyez patient. Ça y est, ça se débloque. Elle arrive, il ou elle, elle arrive. Réussite et décision là, hein. Ça y est, elle arrive cette personne. C'est pas la peine d'aller plus loin, hein, mes loulous. Elle est guidée vers vous. Donc soyez patient, ne vous précipitez pas sur la première jupe ou sur le premier pantalon que vous voyez. Sachez que cette personne sera guidée vers vous et que ça se fera de façon jolie, hein, quand même. Alors voyons voir pour les couples maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis qui sont en couple pour ce lundi 3 avril? Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Alors, je tape. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les couples? La communication et le présent. Alors, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire, hein? Moi, c'est un plaisir de le faire, mais beaucoup n'osent pas, hein? Alors, dans le présent, on vous dit, ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Désolée pour les chiens, mais je ne peux pas leur mettre une muselière. Sollicitude, estime, soutien et liberté. Il y a quelqu'un qui est venu. Alors, voyons voir pour les couples. Ce qui se passe-t-il donc? Pour les couples, qu'est-ce qui se passe pour les couples? Pour les couples, qu'est-ce qui se passe? Là, on vous encourage à communiquer et on vous dit que, ben, oui, c'est légitime, hein? Qu'est-ce qu'on a là? Protection divine. Et on a la sagesse.
On nous parle d'un homme ici. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Blessure, cœur blessé. Faire preuve de sagesse, eh bien c'est non, hein, là. Ouf, 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 ouf. C'est non, fais pas preuve de sagesse. Ben, c'est vrai qu'il y en a, hein, qui ont des leçons karmiques et ils comprennent rien du tout, hein. Le cerveau, il est bloqué. Ils comprennent pas, ils voient pas. Donc, ici, le bon raisonnement, ben, ce monsieur ne l'a pas. Il n'a pas du tout le bon raisonnement. Il n'a pas compris qu'il a une leçon karmique. Voilà. Cœur blessé, chagrin, pleurs. La réponse, c'est non. Apparemment, il n'en a pas du chagrin. Il n'a pas de sagesse non plus. Et c'est pas des... Le monsieur n'est pas... Il n'est pas dans cette optique d'épreuve, donc pour lui, c'est tranquille, pépère. Et c'est un homme, hein, c'est le monsieur du couple, qui n'a pas de sagesse et qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Bon, maintenant, ça peut être une femme aussi, hein, qui peut être comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'automne, on a le détachement et le lâcher-prise. Ici, on s'élève à un niveau supérieur, mais qu'à l'automne seulement. Faut pas demander, hein. Le déclic qui se fait seulement qu'à l'automne. Oh là là! Ça se demandait si le QI existe. Allez, on y va! Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une élévation là en automne. Il y a un lâcher-prise, un détachement. Ou alors, ça a déjà commencé à l'automne. Hein, et que ce monsieur, ce masculin, maintenant, ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine. Et qu'il ou elle ne comprend rien du tout. Il est parti dans son délire. Et il ne fait pas preuve de sagesse. Pour lui, il a raison sur toute la ligne. Et à part où ça s'est déjà passé à l'automne dernier, ça fait déjà 6 mois, et qui commence seulement à s'élever à un niveau supérieur, mais très, 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 très lentement. Ou alors, ça va arriver à l'automne. Hein. Hop là, qu'est-ce qu'on a là? Un amour passionnant et envoûtant. On a la magie et l'envoûtement ici. Qu'est-ce que j'ai là? Pas de dialogue, message envoyé. Apparemment, il envoie des messages ou c'est à sa moitié. Ou à une personne qui lui répond pas, au fait. Alors, il y a déjà de la séparation dans l'air, là. Hein, et on lui dit, ou vous dit à vous aussi, que dans les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et ça sera un amour véritable. Une amitié sincère. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, c'est peut-être une personne qui va se protéger, hein. Parce que là, vous serez encore méfiante. Mais pourtant, regardez, vous avez le happy end et la guérison. Et des projets de vie commune en plus. Printemps. Nouveau départ au printemps. Pour d'autres, j'ai du mouvement, j'ai peut-être des coups de cœur pour des gens superficiels. Vous avez juste envie de vous amuser. En tout cas, rien de sérieux. Bon, ben, voilà. Il y a un monsieur là où l'un des deux dont l'énergie est masculine, plus au niveau masculin, comprend rien du tout. Je suis désolée, hein, messieurs ou mesdames, hein, pour ceux qui sont bloqués dans leur ego, hein, là, ils comprennent rien.
Apparemment, ils ont mis, on leur dit que leur union, elle est protégée, mais ils sont en train de tout foutre en l'air. Ils comprennent pas ça, que c'est karmique, ils comprennent pas qu'il y a des épreuves à surmonter à deux. Non, on reste dans son optique. Je vais quand même recouvrir le nom. Il est superficiel, bah ouais, une boîte vide quoi. Un bel emballage, mais avec rien. Bon, pour celui ou celle des deux qui a le cœur blessé, bah sachez que vous allez avoir du succès, que tous les espoirs seront permis. Alors, voyons voir. Bah lui, il aura une remise en question, mais qu'à l'automne. Ouais, il a le temps, hein. Alors, par rapport à cette épreuve, eh ben, c'est dans 3 mois. Dans 3 mois. On vient de rentrer dans le printemps, donc à l'été, et peut-être que son cerveau se mettra en route, mais il prendra conscience qu'à l'automne, vraiment, hein. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a des addictions, hein. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Les neurones, ils sont foutus là, hein. Voilà. Bon, ben, c'est quelqu'un qui a des addictions et qui est en pause, hein. Peut-être qu'il est en arrêt maladie aussi, ou voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ben, le manque de communication, je vous l'ai déjà dit, hein. Voilà, mes loulous, je vous embrasse tous bien fort. Je ne peux pas toujours donner des bonnes nouvelles, hein. Je suis désolée, hein. Allez, n'oubliez pas les pouces parce que j'en ai besoin et je vous dis à demain.